του πολιτηρίου ευρύσει τη μάνθρα μετά τη ύλη. Εν αυτή ευρύσει ρητίνη. Tu veux te battre? Je vais affronter cet adversaire mystère dans l'arène. Skoura a dit que même les dieux acclameraient celui-là. Regarde ça, Mystios. Oh, sans ça, tout ce que j'ai été se résume dans cet instant. La guerre, ma vie dans l'arène, ma fille Anaya, et toi, toi, Mystios. Mais pourquoi fais-tu ça? J'ai trouvé le moyen. Grâce à toi, j'ai trouvé le moyen de revivre. Et Anaya, pense à elle, Skoura. Je pense à elle depuis le jour où elle est née. Et maintenant, plus que jamais. Bon sang, réfléchis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Tu vas devoir m'affronter, Mystios, et je n'hésiterai pas à te tuer si j'en ai l'occasion. Non. Je ne t'affronterai pas, mon ami. Je m'y refuse. Alors, ce sera la mort, Mystios. Vieillard, hein?
Qu'est-ce qui t'a pris, imbécile? Pourquoi avoir voulu te battre contre moi? Et Anaya, ta fille? Il n'y a plus d'Anaya. Elle est morte, il y a 9 ans. Alors, quand tu as parlé de la revoir? Pour nos retrouvailles. Je ne voulais pas qu'elle me voie telle que je suis devenu. Un vieillard inutile. Mais tu m'as montré que je pouvais aller fièrement à sa rencontre. En héros de la reine. Tu ne penses pas qu'elle saura faire? Tu feras sa fierté, comme tu fais la mienne. Je lui parlerai de la nouvelle héroïne de la reine, une guerrière honorable. Merci, mon ami. C'est paisible, n'est-ce pas? Nous aspirons tous à cette paix. Honneur et paix. Comment fait-on pour les acquérir? La paix et le respect. À notre mort, nos actes doivent parler d'eux-mêmes. Ils nous définissent, ils sont notre héritage. Ce qui compte vraiment, c'est le souvenir qu'on laisse. Quel souvenir garderas-tu de Skoura? Le souvenir de ce qu'il était vraiment. Un héros de la reine. Et un ami. La foule exige toujours plus, Mystios. Veux-tu regagner la reine avec moi? Allons-y.